Alors là, aujourd'hui, j'ai fait les choses bien, puisque je sais que vous aimez particulièrement les épisodes où, à la fin, d'une manière ou d'une autre, les Anglais finissent en slip. Et bien là, dans cet épisode, croyez-moi, il y a de tout. De l'héroïsme, du panache, de l'arrogance punie, des régiments poussés dans la boue, des échelles trop courtes, des canons trop petits, enfin bref, il y a de tout, je vous jure. Et il s'agit d'un épisode peu connu en vérité, puisqu'il est totalement éclipsé par le siège de La Rochelle, le siège de Saint-Martin-de-Ré, qui est tout aussi solide et intéressant, et qui se situe sur l'île de Ré, ai-je besoin de le préciser? Alors c'est parti pour cet événement marquant de la guerre de 30 ans. Une fois de plus, je tiens à préciser que c'est l'un de vous qui m'a suggéré cette idée dans les commentaires d'une émission et qu'une fois de plus, je n'ai pas noté le nom, va vraiment falloir que je remédie à ça, donc mes excuses et merci. Et une fois de plus, je suis malade, hein, c'est vraiment pas la saison. Nous sommes le 12 juillet 1627 et alors qu'aucune déclaration de guerre officielle n'existe entre la France et l'Angleterre, une flotte d'une centaine de navires se présente face à l'île de Ré. Dans cette flotte, quelques 6000 soldats britanniques commandé par le duc de Buckingham, qui débarque sur la pointe des Sablanceaux. Le duc de Buckingham, ça n'est pas n'importe qui, c'est le grand amiral de cette flotte, oui, mais c'est surtout le premier ministre britannique et le favori du roi d'Angleterre, alors autant vous dire que cette intervention est sérieuse. Mais pourquoi cette attaque d'abord? Eh bien, premièrement, parce que le roi d'Angleterre se sent investi de la mission supérieure pour lui de soutenir les protestants français, et particulièrement ceux de La Rochelle. Et deuxièmement, ça c'est plus un aspect vengeance personnelle, le duc de Buckingham rêve d'être l'ambassadeur d'Angleterre en France, sauf qu'il est depuis peu interdit de territoire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il a fait des avances à la reine de France et dans des conditions assez graveleuses en plus. Bref, les Anglais, tout confiants, débarquent donc sur l'île de Ré. J'aime bien quand ça commence comme ça. Ils débarquent sur l'île de Ré et tentent dans la foulée de s'emparer du fort de la Prée et de la citadelle fortifiée de Saint-Martin-de-Ré. Sauf que celle-ci, qui est une belle citadelle Vauban, elle est commandée par Jean de Toiras, maître de camp du régiment de Champagne, et que ce dernier n'a absolument pas l'intention de la livrer sans se battre. Alors, courageusement, parce qu'il est en infériorité numérique, il n'a que 1200 hommes, eh bien, il se porte avec ses troupes au-devant des envahisseurs. Il fait d'abord donner sa cavalerie, qui est composée principalement de gentilshommes, puis les fantassins armés de piques et de mousquets. Mais les boulets de canon tirés depuis les navires anglais, depuis au-delà de la plage, eh bien, font des ravages dans les troupes. Il y a beaucoup de morts parmi la fine fleur de la noblesse de cette petite armée. Parmi les morts, on peut citer le baron de Rabutin, qui est le père d'une petite fille de 18 mois, qui n'est autre que la future marquise de Sévigné. Et il y a aussi l'un des frères de Toiras qui périt durant cette intervention. Et déjà là, il parvient à arrêter les Anglais. Donc c'est déjà pas mal. Mais étant donné qu'il y a trop de morts à cause de l'exposition au feu de la marine britannique, eh bien, Toiras va prendre le parti de se retirer avec eux en la citadelle de Saint-Martin-de-Ré, c'est plus sûr. Il s'y replie donc, il renforce les défenses, mais la situation n'est pas idéale. L'édifice est inachevé à cette époque, il n'est pas couvert sur toute la surface, et puis à l'intérieur non plus, l'approvisionnement est insuffisant, ce que Richelieu lui reprochera plus tard. La literie manque, les médicaments et le vin, et puis à l'intérieur, il n'y a qu'un seul puits pour s'approvisionner en eau. Malgré tout, le duc de Buckingham s'approche donc de la citadelle et le siège commence. Toiras est sommé de se rendre, mais il affirme à son homologue anglais qu'il tiendra jusqu'au bout. Non, les Anglais n'auront pas l'île de Ré, en gros c'est le message. Et là, il va se dérouler un événement héroïque, épique, puisque pour prévenir le roi de cette situation critique, hein, on est assiégé par les Anglais et tout nous manque, eh bien, comme la ville ne va pas tenir longtemps, Toiras envoie sur le continent 3 nageurs porteurs de messages. Oui, à l'époque, elle n'était pas reliée à la mer par un pont. On envoie 3 nageurs, l'un d'eux va se noyer, le second va être pris pour les Anglais, et le troisième, le seul qui parviendra, Pierre Lanier, eh bien, il va finir par prendre terre au moulin de l'Alleu, et il va être reçu par le duc d'Angoulême, lieutenant général de l'armée royale. Et c'est donc grâce à ce nageur et au péril de la vie des autres
que Louis XIII va pouvoir organiser les renforts, même s'ils ne vont pas arriver tout de suite. Mais de l'autre côté, côté anglais, la situation n'est pas formidable non plus. Les canons des Anglais sont trop petits et donc ils n'ont donc aucun effet sur les défenses de la ville. Déjà ça, c'est drôle. La maladie se répand dans les rangs. Les renforts demandés par Buckingham n'arrivent pas ou très peu. Et pire, leurs échelles sont trop petites pour les murailles de la cité. Franchement, les gars, si vous voulez prévoir un siège, faites les choses bien quand même, faites les choses dans les règles, parce que là, c'est n'importe quoi. La rumeur disait même, à l'époque comme aujourd'hui, qu'il n'y avait pas que les échelles et les canons qui étaient trop petits chez les Anglais. Mais bon, ne nous abaissons pas à ces basses considérations. On en revient au siège, il s'enlise, il s'étend sur des semaines, des mois. Les Français manquent de tout et doivent manger leurs chevaux. La situation est grave et Toiras n'a plus beaucoup d'espoir quand soudain, dans la nuit du 7 au 8 octobre 1627, 29 navires de ravitaillement parviennent à passer. Ces navires chargés de vivres et de munitions ont été achetés par le cardinal de Richelieu et ils ont embarqué au Sable d'Olonne avec pour mot d'ordre « Vive le roi, passer ou mourir ». Eh bien, ils sont passés, ils ont apporté des vivres, des médicaments, des munitions, des soldats, un aumônier, deux chirurgiens et ils sont même parvenus à repartir avec des blessés, des femmes et des enfants. Au petit matin du 8 octobre, les assiégés français exhibent du haut des remparts des bouteilles de vin et des bons gros jambons de Bayonne devant les Anglais totalement stupéfaits. Ah, je vous avais dit que ça allait être pas mal, mais j'ai même pas fini encore. Tout ça, c'est très bien, ça permet de tenir encore un peu, c'est bon pour le moral, puis ça permet aussi de se foutre de la gueule des Anglais, mais ça n'est pas suffisant. Heureusement, le gros des renforts va bientôt arriver. Entre le 18 et le 30 octobre, une partie de l'armée royale, sous les ordres du maréchal de Schönberg et de Marillac, débarque enfin sur l'île. Voyant cela, Buckingham, l'anglais donc, n'a plus d'autre choix. Le 6 novembre, dans un assaut désespéré, 4 à 5 000 anglais se ruent sur la citadelle. Côté français, même les blessés et les malades participent au combat pour les repousser. Eh bien, pour les Britanniques, c'est un échec total. Le duc de Buckingham comprend alors que tout est perdu, que tout est fini, et il commence donc à battre en retraite, direction l'île de Loie. Mais lorsqu'il arrive au pont de bois qui relie l'île de Ré à l'île de Loie, et qui avait été construit quelques mois plus tôt par les Anglais, lorsqu'ils sont arrivés, il se rend compte que non seulement les Français l'ont tenu en échec, mais qu'ils le poursuivent. C'est la bataille du pont de Fenot qui s'engage, l'armée française dirigée par Schönberg attaque les Anglais au moment opportun, c'est-à-dire au moment où ils traversent le pont, et les culbutent totalement. Tandis que la cavalerie anglaise est décimée, une grande partie de l'armée est poussée violemment dans les marais, puis massacrée, dit-on, pour lui passer l'envie de revenir. Ah, j'adore l'expression. J'adore. On assiste évidemment à des scènes terribles, hein, c'est la guerre, les Anglais sont assommés à même la boue dans les fossés, certains brandissent des chapelets et jurent qu'ils sont catholiques, mais rien n'y fait, l'élan est trop fort. Le colonel anglais Milord Grey, tombé dans un marais et sur le point de se faire assommer lui aussi, crie de toutes ses forces « 100 000 écus pour ma rançon !» et il finit donc prisonnier. Bref, c'est une déculottée monumentale pour les Anglais qui réembarquent sur leur navire sans demander leur reste pendant que les Français gardent le pont. Ils déplorent environ 1800 morts et un millier de blessés. Les 46 drapeaux capturés aux Britanniques sont tous envoyés à Notre-Dame pour être suspendus aux voûtes de la cathédrale et célébrer cette belle victoire. Ce siège aura donc été long et difficile, hein, il a duré 3 mois et 6 jours, mais au final il se termine par une victoire et surtout une humiliation pour Buckingham et les Anglais. On retiendra le courage des nageurs envoyés chercher de l'aide, celui aussi des secours venus apporter des vivres. Bref, c'est un épisode plein de panache qui, vous vous en doutez bien, me plaît beaucoup. À la suite de cette victoire, les protestants de La Rochelle vont se soulever ouvertement contre le pouvoir royal. Louis XIII va donc ordonner le siège de la ville, le début du siège de La Rochelle, commandé par Richelieu. Vous connaissez sans doute déjà la suite de cette histoire. Et bien maintenant, vous en connaissez aussi le commencement.